Nous sommes le Longhorn Ranch. Le Longhorn Ranch, c'est un centre d'apprentissage qui est dédié à l'éducation des chevaux de ranch, mais aussi à la formation des hommes de chevaux. À la base, l'équitation western, c'est une équitation de travail. C'est-à-dire que l'équitation western, elle est née du travail de rancher, c'est-à-dire du travail des éleveurs de bovins qui cédaient donc du cheval pour pouvoir aller dans les grands espaces, pour pouvoir récupérer les vaches et travailler avec les vaches. On ne va pas juste former des cavaliers, on va former à la base des animaliers, c'est-à-dire des gens qui vont, avant de travailler avec l'animal, ils vont avoir les connaissances et ils vont comprendre l'animal. C'est ce qu'on a souhaité retranscrire, c'est ce qu'on a souhaité transmettre aux gens qui souhaitent venir chez nous. Donc ici, on est jumelé avec une exploitation bovine, le GAEC du Cèdre, le Cedar Farm, où on a donc des vaches laitières, des Prémolstein, et on a également un troupeau de Black Angus qui sont élevés en élevage extensif, c'est-à-dire en extérieur essentiellement. Donc pour cela, on a besoin de nos partenaires chevaux pour travailler avec nous. Notre ligne directrice, c'est de vraiment permettre au cavalier ou à la personne qui souhaite faire ça, de comprendre l'animal avec les animaux avec lesquels il va travailler. Celles et ceux qui n'ont jamais connu le travail en exploitation bovine ou le travail dans un ranch, eh bien, on propose donc des stages d'immersion. Où là, la personne vient, elle peut venir avec son propre cheval à partir du moment où le cheval a déjà été désensibilisé, déjà été éduqué aux vaches. Sinon, elle utilise un de nos chevaux d'école, hein, qui sont tous ici nos partenaires de travail. Elle vient en pleine immersion, c'est-à-dire que pendant 2 jours, elle vit la vie d'un agriculteur, d'une agricultrice. Elle est complètement immergée dans l'exploitation et dans le travail. Elle va venir à la traite avec nous, elle va venir boucler les veaux, elle va venir donner à boire aux veaux, on va travailler sur le bovin. Et on va également travailler sur la relation de partenariat avec son cheval pour voir si elle est bien en accord avec son cheval pour lui permettre après, pour permettre aux deux, au couple cavalier-cheval, d'aller travailler sur nos bovins en extérieur, c'est-à-dire sur nos troupeaux de Black Angus. Les immersions authentiques modernes cowgirl, c'est la possibilité à des professionnels, mais aussi au grand public, de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le travail du professionnel agricole. Nous, ici, au Longhorn Ranch, on est des passionnés de culture américaine. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment été chercher les techniques et puis on les a reproduits ici en France. Mais outre le fait de reproduire des techniques et puis d'avoir une lifestyle un petit peu rancher, outre ça, c'est aussi quelque chose que l'on a envie de transmettre.
C'est une image du cheval, une image de l'agriculture, une image professionnelle qu'on a envie de transmettre. Tu vas aller me chercher la 1660. C'est vrai que cette équitation-là, cette immersion dans ce stage, par exemple, aux Authentic Modern Cowgirl, c'est une immersion complète dans la bienveillance qui permet aux filles de dire « mais lâchez-vous, vous pouvez le faire et quand bien même vous n'y arrivez pas, on va vous aider à le faire ». Et c'est ça le plus important. Et quand bien même on fait des erreurs, c'est pas grave non plus, parce qu'il y a toujours, on a des professionnels qui sont là pour entourer, on a des chevaux qui sont professionnels aussi, on a des bovins d'éducation qui ce sont aussi des professionnels. Et tout ça, ça permet une bienveillance et ça permet un engouement pour vous permettre d'évoluer.